Il est de retour, le tribun populiste, le coluche italien dont les meetings s'apparentent plutôt à des spectacles. Beppe Grillo éructe, harangue, engueule, anti-système, anti-capitaliste, anti-tout et donc anti-Europe, sa cible préférée, le candidat socialiste Martin Schulz. Schulz! Comincia ad aggrapparti a qualcosa di solido, Schulz! Arriviamo, Schulz! Crédité de 22 à 24% des intentions de vote, son parti 5 étoiles s'annonce à nouveau comme l'un des grands vainqueurs des élections européennes. Et ce, malgré les bons scores du Parti démocrate de Matteo Renzi qui retrouve des couleurs. En ces temps de crise, les mots de Beppe Grillo font mouche auprès des électeurs eurosceptiques. C'est l'unica soluzione che abbiamo per l'Italia, perché sono tutti ladri e spero che Beppe Grillo faccia qualcosa. In Europa vogliamo farla diventare un'unione di cittadini e anche aprire la conoscenza 500 milioni di europei che non sanno nulla dell'Europa. Grillo espère envoyer une vingtaine de députés à Strasbourg pour changer l'Europe, alors même que les 163 élus du mouvement n'ont pas fait grand-chose pour l'Italie après son succès aux élections législatives de février 2013. Une étoile filante, en somme.